feeling used, but I'm still missing you and I can't. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de déballage de colis Kramer. J'en ai fait une il y a déjà 4 mois et c'est vrai que vous avez l'impression que je fais que ça, parce que dans ma liste de vidéos du coup il y a que genre 2 vidéos qui doivent les séparer. Mais je suis désolée, je ne fais plus trop de vidéos séances et tout ça. Donc déjà j'ai déballé le colis, donc il y avait ça tout à la surface. Si vous voulez savoir, les délais ont été très très bien respectés. J'ai commandé le 20 au soir et je l'ai eu le 26 au matin, en sachant que j'ai eu des problèmes avec la commande au départ, qu'il y avait un article non disponible qui arrivait en cours de route, etc. Donc vraiment génial sur ce coup là Kramer. J'ai un peu toujours peur parce qu'il y en a plein qui ont eu des problèmes avec eux au niveau de la livraison. Donc il y a toujours beaucoup de bulles dans leur paquet pour remplir, pour caler, etc. Donc ça je trouve ça vraiment génial, ils protègent vraiment bien. Donc dedans bien sûr il y avait les fiches factures. Donc je vais bien vous les montrer, mais en fait ça se présente comme ça. Et là donc il y a le bon de retour. Donc j'ai pas besoin du retour parce que j'ai déjà vérifié, vu que je l'ai ouvert, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans pour être sûr que tout corresponde au niveau des tailles, articles, etc. des couleurs. Donc là j'en ai pour 63,28€. Voilà pour 4 articles du coup. J'avoue que s'il n'y avait pas eu les frais de port gratuits, j'aurais pas commandé parce que ça fait quand même pas mal cher. Mais bon. Donc tout d'abord, comme la dernière fois, j'ai commandé des friandises. De la marque Originalmüll. Donc je sais pas du tout comment ça se prononce, je pense que c'est de l'allemand du coup. C'est un peu compliqué. Donc elles sont à la mangue. Je vous ferai des petits close-up pour vous montrer un peu plus en détail les choses. Et donc je vous montrerai la paire. Donc j'avais acheté les mêmes en pain d'épices miel à Noël, mais du coup je pense que c'était une édition limitée, on va dire, parce que je les ai pas retrouvées. Du coup là j'ai pris la mangue, c'est un sachet pardon, d'un kilo, donc c'est du carton, là vous avez un petit truc à ouvrir et tout. Et je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas du coup à quoi elle ressemble en dedans, parce que je sais pas si je vous les ouvrirai ou pas, mais sinon vous aurez la forme dans le close-up. Donc elles sont à la mangue. Le point positif d'un côté c'est qu'elle coûte moins cher que chez les 4, au lieu de 4€ j'en ai pour 2,49€. Celle-ci, friandise mangue, ouais, 2€. Ensuite, j'ai acheté ceci. Ce sont des housses d'étrier. Elles m'ont coûté 9,99€. Ce sont de la marque. Bah, attendez, je vais vous les ouvrir et je vous montrerai tout ça après dessus. Voilà. Donc, je les voulais pour ma nouvelle salle, pour pas qu'elle s'abîme, etc. Et du coup, bah, je les ai trouvées sur Kramer. Donc, top. Donc, elles sont un genre de néoprène, je vous en montre une. Donc vous glissez l'étrier dedans, etc. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Je voulais voir si genre on pouvait mettre un plus gros étrier, etc. Mais ça a pas l'air. Donc 10€. Donc bien sûr, il y a les deux. Elles sont de la marque Showmaster en noir. Elles sont pour des étriers de taille adulte, bien sûr. Et donc vous fixez ça à la sangle. Vous pouvez repasser votre étrivière dans ce trou-là. Et donc c'est pour éviter d'abîmer. Voilà, tout simplement. Donc elles sont noires. Et en gros voilà, je comptais commander que ça à la base, mais finalement quand j'ai vu qu'il y avait les frais de port offerts, je me suis dit bon allez, je commande un peu plus. Donc ensuite, donc on est déjà au 3ème achat, vous avez deviné je pense, mais je vous le déballe. C'est un bonnet de la marque Showmaster toujours, de couleur vert, citron, citron vert pardon, citron vert, en taille cheval. Ah bah c'est génial parce qu'il m'a l'air juste gigantesque, je sais pas si vous, il me paraît immense. Et moi avec Mini a une très grande de tête, ça risque de passer genre pile poil génial. Donc il est vert, je vous ferai donc un petit close-up bien sûr, avec les bordures. Donc il est bleu marine en bordure et il a une cordelette argent. Il a de très grandes oreilles, donc Mini risque d'avoir un bonnet à sa taille, ça va être cool. Et voilà, il y a le code barre en fait, mais la marque c'est bien Showmaster logiquement. C'est le bonnet anti-mouche Master Deluxe à 15,90€. Donc voilà, il est vraiment grand pour ceux qui recherchent des bonnets à grande taille. Vous pouvez prendre cela, il y a plusieurs couleurs, il y a tout ce qui est bordeaux, bleu, il y a même vieux rose et tout, un peu comme l'escapa vieux rose de 2007 il me semble. Donc voilà, il est vraiment sympa. Et donc il va avec mon dernier achat bien sûr. Donc le dernier achat est donc le plus gros, c'est le tapis. Donc voilà, je vais mettre ça un peu plus loin derrière. Donc c'est un tapis de marque donc Showmaster, donc c'est marqué ici.
C'est le donc c'est le Showmaster Shabrack de luxe, comme le bonnet. Donc vous le voyez, ils vont très bien ensemble vu que c'est la même couleur. Toujours en citron vert. Donc c'est un taille dressage, comme vous avez sûrement pu le remarquer. Je suis un peu empotée, mais bon, c'est pas ma faute. On va dire voilà, j'ai un peu genre fait ça comme ça. Donc il est au niveau du dessus, il est bleu comme ceci, bleu marine. Donc nous avons donc une cordelette bleu marine. Là c'est beige on va dire, et là c'est bleu marine. Voilà, tout le truc étant donc vert. Il a donc des passants de contre-sanglon avec la marque et à scratch. Et il a des passants de sangle avec la marque toujours, pardon, j'arrive pas à vous montrer en fait. Avec la marque toujours, mais ils ont l'air un peu fins par contre, un peu pourris, ça va être méchant. Mais bon, j'espère qu'ils tiendront. Sinon, le dedans est vert tout simple. Sans nid d'abeille, vraiment tout simple. Donc c'est peut-être un peu regrettable. Il est vraiment fin par contre. Alors moi ça me dérange pas, personnellement. Mais voilà, du coup. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. Je pense que ça lui ira très bien. Et donc dites-moi ce que vous voulez comme autre vidéo que je peux faire, genre face caméra. Ou encore avec Nini, mais pas monter, pas lâcher. Enfin, je sais avec Nini, genre là, mais qui bouge pas. Voilà, donc sinon, je vous remercie pour les 750 abonnés et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt!